j'encadre au niveau du SUAPS. Le SUAPS, c'est le service universitaire des activités physiques et sportives. Donc, c'est le service qui organise tout l'encadrement des activités. Et ensuite, le CRSU, donc, c'est le Centre régional des sports universitaires. Donc là, c'est vraiment centré sur les compétitions universitaires. Le SUAPS et le CRSU sont en général en partenariat pour justement donner la possibilité aux étudiants de faire des compétitions durant les créneaux du SUAPS. Ce qui a permis d'avoir beaucoup de monde, d'étudiants qui puissent venir, déjà c'est l'attractivité au niveau des sportifs de haut niveau qui sont dans les facs et qui diffusent cette information de cette activité, et aussi avec l'aide du CREPS qui prête les infrastructures pour tirer. Alors au niveau des étudiants, donc, j'ai de tout âge, j'ai des jeunes de première année et aussi j'ai aussi du personnel, donc un peu plus âgé. Il y a des personnes qui sont moins sportives, qui choisissent au départ le tir. Et après, bah, je leur fais découvrir justement des petits aspects physiques un petit peu à travers le tir. J'ai eu quelques étudiants qui sont passés d'une pratique universitaire en fédéral. On a aussi un exemple concret au niveau international où on a Hélène Jacolin et Frédéric Jacolin qui ont été universitaires à Bordeaux à la base. Et ensuite, ils sont passés, donc actuellement, ils sont dans le circuit international national.